Alors, on va aller au niveau de la pole position, qui est la Yamaha du Yacht. Beaucoup de monde. Ça va pas être évident. Voilà, on va essayer de la prendre quand même. Mais il y a du monde. Là, on a FCC TSR. La BMW. Et la Ducati. Max. Impeccable, bonne chance. Voilà la 96.
C'est Bradley Smith qui prend le départ. Et voilà Pierre Chapuis. Voilà la Kawasaki numéro 11. La Kawasaki numéro 11 avec Pat le kiné de l'équipe, qui est modérateur chez nous. Comment sont tes impressions? Il fait chaud, il fait beau, on est au Mans, tout va bien. Ah, c'est parfait. Bonne chance pour la 11. Merci. Okay. Yamaha Viltais 333. Ah voilà la pôle en catégorie super stock, c'est les pompiers. Et la Kawasaki du Tati Team. Bonjour Patrick Enjolras. Eh bien on est en direct. Voilà. Donc, très bonne place sur la grille. Oui, on a fait une bonne place. On a fait la dernière, mais je veux dire le championnat commence à beaucoup évoluer cette année. Très bien, ma foi, bonne chance, hein. Allez. Bonne course. Voilà, National Moto, deuxième super stock. Et la deuxième moto du team Wojcik, donc le team polonais. C'est Kevin Manfredi qui va prendre le départ. La Yamaha du Mako Racing. Et là, c'est apparemment Enzo Boulom qui prendra le départ. Une autre moto polonaise, la BMW du team LRP, Poland. Voilà la Yamaha du team LH Racing qui porte le numéro 94 cher au GMT de Christophe Guyot. Donc apparemment ça serait être Johan Nigon qui prendrait le départ. Donc voilà la Honda 41 du RAC. Alors malheureusement Greg Fast a fait une grosse chute aux essais, il ne sera pas au départ. Et un mode soutien. Oh là là, la Yamaha numéro 36, 3 ART, c'est la moto de Gabi Michon,
Bonjour. Et donc tu es en direct. En direct sur le groupe. Alors, quelles sont tes ambitions? Voilà, mais on souhaite le meilleur. Hein. Voilà, la Kawasaki, championne du monde super stock. Et donc, c'est Loris Cresson, apparemment, qui va prendre le départ. Et tout de suite après, la Louis Moto. Peut-être Kawasaki aussi. Et toujours en super stock. Voilà, là, c'est le Junior Team. Et c'est Eddy Dupuis qui va prendre le départ. En direct. Alors, la Yamaha, No Limit, c'est un team italien. Donc, No Limit, c'est un team italien qui était deuxième au championnat du monde en 2021. Et ici, un habitué de l'endurance également, le team Bolliger. Également un team suisse.